Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le lundi. Shmata Moamina Ben Chana Peggy Batester Zarbat Mazaltov Shishportish Simon Batleoni Michel Novikov. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Makot Perek Gimel Mishnah Yud. Kama Malkinoto Arbaim Chaser Achat. Sheneemar Bemispar Arbaim. Minyan Shehu Samuch Le Arbaim. Rabbi Oda Omer. 40 שלמות הוא לוקה. ואיכן הוא לוקה את היתרה? בין כתפיו. משנה, très simple, littéralement, mais il y a une petite finesse dans les psukim à comprendre. On va d'abord lire, traduire la Mishnah, expliquer grossièrement, puis ensuite on va voir ça à l'intérieur des psukim. Kama Malkin Oto. On a fini jusqu'à maintenant d'évoquer les différents exemples d'interdits pour lesquels on est passible de Malkout, de flagellation. À partir de maintenant, jusqu'à la fin du Perek, on va expliquer concrètement comment frapper. Comment est-ce qu'on le battait au Bet Din lorsqu'il transgressait un interdit de la Torah. Avec d'abord la première question, Kama Malkinoto, combien de coups de fouet doit-on lui mettre? Arbaim Chaser Achat, 40 moins 1, soit pour les bons en maths, 39. Pourquoi on n'a pas écrit 39? Tout sera expliqué. D'accord? On appelle ça 40 moins 1. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Bemispar Arbaim, au nombre de 40, Minyan Shehu Samuch Le Arbaim, soit le nombre qui est proche des 40. Succinctement, on ramène un passage où il y a marqué qu'il faut le frapper 40 coups, mais il y a marqué le mot Mispar Arbaim. Et Chachamim, ils ont trouvé une anomalie dans cette expression. Et de ce fait, ils ont préféré dire qu'on parle du nombre qui annonce la venue des 40. Minyan Shehu Samuch Le Arbaim. Le nombre qui est proche des 40. On va expliquer plus concrètement, d'accord? Soit, en un mot, on a retenu donc que le verset a parlé bizarrement. Pour nous dire qu'en fait, il ne faut pas vraiment frapper 40. Il faut frapper 40 moins 1, d'accord? Rabbi Oda Omer, selon Rabbi Oda, non. Arbaim Shlemot Uloke. Il lui donne la trecha complètement. 40, entièrement. 40 coups de fouet, total. Shlemot, entière. Ve'echan Uloke Tayetera. Et où devra-t-il frapper la supplémentaire? Question. C'est-à-dire, on apprendra dans la Mishnah Yud Gimel qu'il faut donner des coups. Qu'il faut pouvoir diviser en 3, il va falloir donner un coup qui va se retrouver jusqu'à la poitrine, on va le frapper sur le dos avec un coup de fouet qui va venir par devant et qui va le frapper sur la poitrine, et un coup sur chaque épaule, donc il faut donner à chaque fois des triplés. Or, tu me dis de donner 40, 39 c'est divisible par 3, mais le 40e, où va-t-on le donner? C'est la question de Rabuda. Vechano loket ayetera. Alors, où va-t-il frapper la supplémentaire, soit la 40e, qui ne peut pas être divisée par 3. Réponse, on fait plaisir à tout le monde, on le frappe ben ktefav, entre les deux épaules. Ni à droite, ni à gauche, mais au milieu, entre les épaules. D'accord? On a fini de lire et traduire la Mishnah. On va à présent voir à l'intérieur des psukim. On est dans Parashat Kitetsé. Perek Chafhe, le dernier Perek de Kitetsé. Donc c'est la dernière Aliyah, même quelque chose comme ça à peu près. Bon, je trouve pas le début, on va pas chercher pendant une heure pour rien. En tout cas, là-bas, il y a marqué comme ça. Quand il y aura une dispute, qui arrive, ben anashim, ben yeshua, la mishpat, ou shfatum, ben zekot, asadik, virshot, arachar, on avait évoqué ce passage au début de la Maseret. Concrètement, ve'ayam binakot arachar, et voilà qu'il va falloir frapper le mauvais. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Vipilo ashofet, le juge, le fera tomber, il le couchera, on apprendra qu'il faudra le mettre de manière en biais. Veika ou les fanav, et il faudra le frapper devant lui. On expliquera ces versets aussi. Maintenant, c'est les mots qui nous intéressent. Kederish ato bemispar, comme la avera qu'il a accompli, bemispar avec le nombre. El pasuk gimel, pasuk juste après continue en nous disant Arbaim yakenu. Lo Yosif, il devra le frapper 40 et il n'ajoutera pas de coups. Pen Yosif la kotoale le makaraba meniklafale, on en reparlera plus tard. Soit, ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on doit le frapper
Et la Torah me dit, tu le frappes, que derish ato, comme ça verra qu'il a fait, comme ça sa méchanceté, son erreur, ça verra, bemispar, avec le chiffre. Arbaim yakenu, et le pasouk d'après commence en disant, tu le frapperas à 40. D'accord ? Il y a en cela une anomalie. Rashi, sur le Chumash, la soulève. C'est que le pasouk se termine en me disant de frapper avec le nombre. Or, en hébreu, il y a le He Ayedia, le qui est l'article défini, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'accord ? C'est-à-dire en français, en hébreu, avec le He. Quand on va dire une chose, davar, et quand on dit la chose, on dit ha davar. Or, si tu me faisais allusion à un nombre précis, il fallait me dire ba mispar, pas be mispar. D'accord ? C'est une règle de grammaire évidente. Kederi Chateau, ba mispar. Tu le frapperas selon sa faute, ba mispar, avec le chiffre que je t'ai dit. Genre, tu es censé le connaître. Entre parenthèses, continue le pasouk, tu verras qu'il faut le frapper 40. Or, le pasouk m'a dit be mispar. On a une massorette qu'il faut lire le mot be mispar avec un shva. Donc, il n'y a plus d'article défini. Tu dis avec un nombre. Comme si que tu me fais allusion qu'en fait, il faut faire ce qu'on appelle une smichut. Relier le mot au verset d'après, même si le verset s'arrête, en fait, il faut le lire d'un coup. Bemispar arbaim. Donc en fait, il ne faut plus le frapper avec le chiffre, le nombre de coups bien connu, mais avec le nombre de 40. Alors pourquoi tu me dis le nombre de 40 ? Il fallait me dire avec le nombre. Et ouais, d'accord, vous avez compris l'idée quoi ? Il y a un problème ici quoi. On aurait dû dire bemispar avec le hea yedia, qu'on aurait transformé avec un patar uniquement, on ne l'a pas dit, donc on fait une allusion qu'on veut le faire en smichut, le rattacher avec le verset d'après, donc tu dis « bemispar arbaim » et tu ne fais plus référence à donner 40 coups, mais tu me dis le nombre de 40. Alors là, que ça veut dire de lui donner le nombre de 40 ? Dis-moi qu'il faut lui donner 40, ou bien le nombre bien connu, et puis je comprendrai que c'est 40. Pourquoi tu dis le nombre de 40 ? Rashi il explique, comme ce que la Mishnah nous dit, avec quand même une petite remarque intéressante, j'ai vu qu'un mefarech qui la soulève. Dans la Mishnah, on a dit Minyan Shu Samuch le Arbaim. Si on regarde dans le Chumash, dans le Rashi, Minyan Shu Sochem et Arbaim, mais la Shem Schum, qui va compléter le 40. Soit, de manière générale, pas tout le monde le fait, mais en tout cas, ça aurait pu être fait de cette manière, lorsque l'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 20, 30, 40, à chaque fois qu'on va approcher la dizaine ronde, on aurait tendance à dire. 27, 28, 30 moins 1, 30. D'accord ? Lorsqu'on veut compter, ne pas se tromper, comme ça on est sûr qu'on a donné bidouk 30. Ouais. Quand on arrive à 1 moins le... Comme dans les chiffres romains, d'ailleurs, c'est intéressant. Les chiffres romains, quand on veut écrire 10, alors on va pas écrire V, I, I, I. On va mettre un X avec un I devant. Genre, c'est le 1 qui annonce la fin du 9. Ouais, j'imagine que dans... Dans certains comptes, de certaines manières de compter, dans le pays, ça devait se faire de cette manière. C'est ce que le Rashi appelle Minyan Shu Sochem ou Mashlim le Arbaim. Dans Rashi, sur la Torah, il explique comme ça. Le chiffre qui va annoncer qu'on va compléter la quarantaine. Soit, quand tu vas arriver au 39, ça veut dire que tu vas bientôt, tu amorces la quarantaine. Alors la Mishnah, la Torah m'a dit, tu le donnes mispar bemispar arbaim. Tu donnes kederi chateau bemispar arbaim. Et c'est ce que la Mishnah nous explique, minyan sheu samuch le arbaim, sochem et arbaim. C'est pour ça d'ailleurs qu'on explique, on n'a pas dit 39 coups, on a dit 49, 40 moins 1. Pour te dire que, là, on a utilisé l'expression de la Torah, que la Torah elle m'a pas dit de donner 39, elle m'a dit de donner le nombre qui annonce la venue de la quarantaine. D'accord, sheu sochem et arbaim. Comme ça, j'ai compris grâce à un petit mélange du Sifter Chachamim, essentiellement sur la Torah, qui m'a franchement beaucoup aidé sur ce coup-là, et un petit peu les Mefarshim. C'est comme ça que le Bartenora nous l'explique. D'ailleurs, on va faire tout de suite le Bartenora comme ça. On s'est acquitté du Bartenora, puis après, je rapporterai la petite cerise du gâteau du Rambam, et avec le Tiferet Israël, ça va être joli. Minyan Shosamoch la Arbaim, Shegorem Lomar Acharav Arbaim. C'est une Gemara, Baruch Hashem. Par le mérite des missionnaires, c'est la première fois de ma vie que j'ai compris ça. Je l'étudie plusieurs fois, cette Gemara. J'ai jamais compris comment on te dit de frapper 40. On te dit non, mais pas vraiment 40. Là, maintenant, c'est plus ou moins clair. On a, grâce au Sifter Chamim. Minyan Shu Samuch l'Arbaim. Shegorem Lomar Acharav Arbaim. Le nombre qu'à cause de lui, après, tu vas finir par dire 40. C'est incompréhensible à expliquer la Gemara pareil. Naturellement, si ce n'était ce qu'on expliquait. Dehainu Tish'a Ushloshim, c'est-à-dire 39.
avec tes arbaïm bemispar, s'il y avait marqué dans la Torah, tu le frapperas arbaïm bemispar, au bamispar, arbaïm bemispar. Au lieu de dire bemispar arbaïm, tu dis arbaïm bemispar. Alors sache ça, je dis 40 tours. C'est ce que ça voulait dire. Avamina arbaïm beminana, j'aurais voulu dire par cela. 40 beminian exactement, tourons. Ashta dirtif bemispar arbaïm. Maintenant qu'il y a marqué bemispar arbaïm, le nombre du 40, donc le Barthénois il n'explique pas comme ce que l'on a dit, ouais, c'est difficile à comprendre. En tout cas, voilà. Bemispar agorem lomar acharav arbaïm daïnou la tête. C'est-à-dire, on fait allusion maintenant au. On veut plutôt évoquer par là le nombre qui va annoncer la venue du 40, donc le 39e, comme ce qu'on a expliqué. Plus ou moins. Il y a maintenant le Rambam qui explique ça de manière beaucoup plus rationnelle, très agréable. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est l'intention du Targum Yonatan Ben Oziel. Tout le monde se casse la tête à comprendre l'origine du Rambam. Je dis vite fait le Rambam, qu'est-ce qu'il dit ? Selon le Rambam, lui, c'est pas qu'il y a une mitzvah de donner 39 coups. La Torah l'a plutôt dit, il faut le frapper. Le frapper, ça implique frappe. Maintenant, la Torah me dit, attends, tu frappes, mais tu vas pas l'esquinter sans limite. Tu vas lui donner jusqu'à 40, je te permets de frapper. Donc la Torah n'a pas été makpida. Il y aura plusieurs lachot, ça c'est important d'ailleurs pour comprendre plusieurs lachot qui suivront dans les prochaines Mishnayot, où on verra que finalement, l'intérêt, il est de frapper, il n'est pas de donner le nombre de 39. On n'est pas en train de faire des gématriotes ou quelque chose comme ça spécialement. Il faut le frapper, bien. Il y a des manières de le frapper, mais tu limites ça à 40. Et même si c'est une baraque comme Shimshon, tu pourrais lui mettre bien plus, la Torah m'a dit, mais tu dépasses pas les 40. Donc à l'intérieur des 40, je dois lui donner assez de coups, suffisamment pour qu'il comprenne et qu'il récidive plus. Mais j'ai pas été makpid sur spécialement 40. Donc de ce fait, selon le Rambam, c'est comme ça qu'il faut lire le pasouk. Kederishato bemispar arbaim. Tu lui donneras bien une treha comme il faut. Bemispar arbaim, dans la possibilité de donner à l'intérieur des 40, mais tu franchis pas les 40, et même le 40, tu l'exclus. Selon Targum Yonatan Ben Oziel, il rajoute même plus que ça. Bemispar arbaim, il rajoute ça au pasouk d'après. Bemispar arbaim yakenu lo yosif. Tu le frapperas 40, mais de manière à veiller qu'en aucun cas, tu dépasseras le 40. Soit, ça peut arriver que quand tu vas donner des coups, tu vas te mettre à compter, tu risques de t'embrouiller. Et si toutefois tu devais donner les 40, peut-être que tu t'es trompé, tu vas donner un 41e. Et moi je t'interdis de donner un coup en plus. Lo yosif. De ce fait, veille à donner le bemispar arbaim yakenu velo yosif. Veille à donner un nombre proche du 40, de manière que même si tu t'es trompé, maximum t'as pas dépassé le 40, t'as pas donné le 41e, mais au pire, tu auras donné le 40. Donc de ce fait, tu restes à 1 moins, tu restes à 39. D'accord ? C'est comme ça que le Rambam explique. Encore quoi allonger, mais on va s'arrêter là pour le psukim. Et on continue notre Mishnah avec Rabbi Yehuda qui nous a dit donc de frapper le 40e. On a dit un devant, un sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche. Chaque coup doit être donné en fait en triplé. C'est-à-dire, quand je te dis donner 39, ça va être 3 fois, ça va être 13 fois 3. Chaque fois, tu donnes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura des halakhot qui vont découler de ça hein, dans les prochaines Mishnayot. D'accord ? De ce fait, Rabbi Yehuda, il y a un problème. Si je te dis de donner 40, où tu vas donner la 41e ? Réponse, ben, tu la donneras entre les épaules. C'est ce que la Mishnah, le partenaire, dit. Vechan uloke et ayetera. Où devra-t-il frapper le coup supplémentaire ? Sheena reouya lishtalesh. Car tu ne pourras pas le diviser en 3. Il n'est pas divisé par 3. De tisha ou shloshim, royot lishtalesh lishme lefanav, vechte yadot achat al katevzo, vechat al katevzo. Car 39 est un nombre divisible par 3, où tu pourras lui donner un tiers devant, sur la poitrine, vechte yadot, et les deux autres coups, les deux autres parts, les deux autres tiers, achat al katevzo, vechat al katevzo, un sur l'épaule de droite, et un sur l'épaule gauche. Vezo shel arbaim echan uloke ota. Mais celle de la 40e, où est-il la frapper ? Réponse, ben ketefav entre les épaules, ben alakha ki Rabbi Yehuda, l'alakha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de aslakha, kol tov, c'est là.